Monte le son et détends-toi avec DJ On Next. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Next, et je suis ravi de vous retrouver pour ce 20e épisode de l'aventure Kama qui va être assez court, mais avec une technique Kama que beaucoup de gens connaissent, je pense, oui, beaucoup de gens connaissent, et qui rapporte quand même pas mal pour un débutant, et c'est vachement simple à faire en plus. Donc, là, comme vous le voyez, je suis au HDV Forgeron. En fait, si, vendeur forgeron, ça aurait pu se dire. Et là, comme vous l'avez vu, j'ai mis des agrides en vente. On va regarder le craft d'une agride. Et le craft est assez chiant, faut se le dire. 15 châtaigniers, 13 bois de frêne, 10 cuivres, 3 bois de chêne. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de... C'est pas non plus la mer à boire. Mais pour les 7500 de la agride, bon, autant acheter une agride que aller le craft, quoi. Bah moi, je vous propose une solution simple. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui vont le découvrir. Bon, je pense aussi qu'il y en a plein qui le connaissent parce que c'est super connu. Mais moi je connaissais pas, donc c'est qu'il y en a qui connaissent pas non plus. Vous allez aller à... Ah non, pas l'HDV ressources, ça a changé depuis je sais même plus quel mage, mais il y a pas longtemps. On va aller à l'hôtel de vente des bûcherons. Et dédicace à Ellie qui m'a dit un petit coucou, genre tout gentil, j'ai trouvé ça super sympa. Et assez sexy sacré. Alors, hôtel de vente des bûcherons. On y va tout de suite. J'ai oublié de mettre la musique d'Ofus en fond, du coup je vous collerai sans doute une musique cool. Et vous me direz ce que vous en pensez, je pense que c'est mieux. Alors, on va regarder le prix des racines d'Abrachnid. Racines d'Abrachnid, ça coûte... Il n'y en a pas par 10, merde. Moi je les avais achetées pas cher en plus par 10. Mais il y en a par 100. Donc on va en acheter par 100. Donc 10 000. On va sortir la calculette magique qui est ici. C'est la calculette magique. On en achète... Attendez, on va regarder d'abord le prix des écorces. Je crois que c'est les écorces. Non, je crois que c'est plutôt les bourgeons. Yeah, c'est les bourgeons. Donc on en achète 100 à 6850. Voilà. Et 100 racines à 10 000. Voilà. Jusqu'à là, ça va. Normalement, oui, on est d'accord. Donc voilà, ça nous fait... Donc 16 000, bon là il n'y a pas besoin de la calculette magique. Hein. 16 000 Kama. Et je suis sûr à 100% que j'ai fail. Et que c'était pas des bourgeons mais des écorces à prendre. Ça se trouve je me suis pas fail et c'est bon, on va voir tout de suite. Mais je sais plus si c'est bourgeons ou écorces en fait, parce que je l'ai fait hier soir. Alors là faut aller en 5-7. C'est juste à gauche de là où on échangeait pour les parchemins d'ivoire. En fait c'est là. Même pas, c'est en fait c'est juste en dessous du zap. Donc on va vérifier tout de suite si j'ai fail ou pas. Et vous allez voir que c'est assez rentable comme technique. Comme vous l'avez vu juste précédemment, les agrides étaient à 7500 Kama. On rentre ici dans l'atelier. Non, c'est pas ça que je veux. Ouais. On rentre ici dans l'atelier. Donc 7500 Kama, on va tout de suite bon, on calculera après. Alors, échanger et on va lui proposer 10 de ça. Et je suis sûr à 100% que c'était des putains d'écorces. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir acheté des racines la première fois. Voilà, j'avais raison. C'était pas des racines, mais des écorces. Donc je viens de me faire niquer 10 000 Kama qu'on va revendre. Ce n'est pas grave. On va retourner à Bonta. Les fails, ça arrive. Ah là 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 là. Insultez-moi. Alors, on y va. Et cette fois-ci, je vais mettre pause pour bien vérifier que c'est bien des écorces. A tout de suite. Et bien, heureux tout le monde. Donc, on va aller à l'HDV bûcheron. Et j'ai vérifié, en fait, c'est des écorces et des racines. Et non pas des bourgeons. Donc, on va tout de suite remettre en vente les bourgeons. Je crois que d'une manière, ça nous avait pas coûté super cher. Bourgeons d'Avrachnid. Ça nous avait coûté 6800 Kama. Aïe, aïe, aïe. On va les remettre en vente. C'est ça. Donc, à 6700. Voilà. Je me souviens plus exactement c'était combien c'était. Voilà, parfait. Mode achat, je veux donc des écorces. Et ça nous revient au final bien moins cher. Donc 10 plus 4. Bon, ça nous fait 14 000 Kama. Donc voilà, 14 000 Kama de dépenser. On va retourner au zap. Et vous allez voir que c'est vraiment une technique rentable pour les bas niveaux. Si vous arrivez à vendre les agrides,
Encore faut-il réussir à les vendre, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui la font. Et encore plus maintenant que je vais la dire. Même si je pense qu'elle est facilement connue, quoi. Enfin que plein de gens la connaissent. Donc 5-7. On y va, on descend d'une map. On tourne à gauche. Et je vais pas non plus vous dire toutes les actions que je fais. Je pense que vous voyez, donc ça sert à rien de les répéter. Alors on y va. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers la vidéo. Je vous aime. Alors, échanger. Et cette fois-ci, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Je suis sûr qu'il y a largement mieux comme technique, mais... Quoi qu'en fait, je suis con. Ouais, non, c'est bon, ok. Donc, on en rajoute. Et on en rajoute. Parfait. Donc là, il nous en propose 10. Le jet... Ok. Les mecs, je suis le mec le plus moulu du monde. Parce qu'en général, ils nous proposent jamais, mais jamais, le 20 sagesse au début. Souvent, c'est du 11, du 12, du 15. En fait, c'est toi et ta chance, c'est un jet aléatoire. Et ce que tu fais, c'est que tu enlèves ça, pour remettre ça, pour remettre ça, pour remettre, jusqu'à que tu vois 20 sagesse et que tu récupères tout. Là, chanceux comme je suis, premier essai, 20 sagesse. Et voilà, et je m'en trouve donc pour 14 000 kama. 14 000 kama, je me retrouve avec 10 agris de 20 sagesse. Et comme on a vu, c'était 7500, donc ça fait 75 000. Donc 75, 1, 2, 3, moins 14 000 kama. Ça nous fait 61 000 de bénéfices pour nos amis, ceux qui feront cette technique. Et pour un bas niveau, c'est vraiment viable pour faire fructifier le peu de kama qu'on a. Et donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne et si vous aimez cette vidéo et si vous voulez suivre le reste des épisodes parce que objectif 300 épisodes et pas perdu de vue. Et puis voilà, un petit pouce vert pour faire découvrir ma chaîne aux autres, n'oubliez pas de le mettre, d'ailleurs si vous avez le temps là vous prenez votre souris et boum un pouce vert. Un commentaire pour réagir, proposer vos astuces Kama, vos solutions, ou encore discuter avec moi ou les autres abonnés, ce n'est pas gênant, j'y réponds tout le temps, ou je les lis tout le temps du moins. Sur ce, je vous dis à bientôt, bisous and bye, je vous aime.